Merci, dit la bonne qualité. Normalement, il faut quand même faire grève. Hein. C'est pas grave si vous n'avez pas une contribution intéressante. Personne ne vous jugera. Oh, je m'ennuie. Alors par contre, la grenouille en chocolat, très bien. Mais, du coup, merci Iris Black. Voilà, ça c'est ce qu'on aime. Ça c'est le vrai humour. Ah, mais je sais que... Oui, c'est vrai qu'Harry Potter, hein, pour toute une génération, hein, pour les... je pense les moins de 15 ans, peut-être même les moins de 18 ans, hein, c'est... c'est un peu comme les Star Wars ou les Terminator. Enfin, c'est vraiment des jeux... Enfin, le fait d'avoir grandi avec Harry Potter, c'est vrai que c'est... Pourtant, moi-même, hein, je suis un gros fan d'Harry Potter, mais c'est vrai que les films, j'avais un peu plus de recul par rapport au fait que j'étais déjà adolescent. Alors que j'imagine que, ouais, si vous aviez... si Harry a vraiment grandi avec vous, même si j'avais plus ou moins l'âge de Daniel Radcliffe, si j'ai plus ou moins l'âge de Daniel Radcliffe, j'imagine que c'était l'attachement est peut-être supérieur, même si le troisième film est vraiment de la merde, putain. Quelle merde ce film. Putain, c'est vraiment le pire Harry Potter quoi avec le 6. C'est vraiment le pire des pires quoi. Merci. On est tous insomniaques. Aussi vite, donnez-moi ces lucioles. Ils vont vraiment là, genre merde, vous êtes pas mort encore. Ah, c'était des lucioles. À présent, laissez-moi Potter. Votre cours de défense contre les forces du mal avec le professeur Quirrell va commencer et vous êtes déjà en retard. Mais t'excuses pas, Sidebringer. Hein. Profite du stream. Merci, Fonfilter. Oui, je pense que 20 ans, c'est l'âge où Harry Potter était vraiment... Je pense que c'est les gens qui ont 20 ans qui ont vraiment grandi avec Harry Potter. Moi, j'en ai 28. Et j'étais déjà au collège quand on allait voir Harry Potter. J'étais en 5e, je crois, quand on allait voir Harry Potter au ciné, le premier, là, et pour découvrir l'univers. Le professeur Quirrell a placé ses plateformes pour tester ses élèves. Mais je n'arrive pas à comprendre comment faire pour monter dessus. Je crois que je ferais mieux d'assister au cours de défense contre les... Merci quand j'ai pété. Avant de chercher à monter dessus. Alors, je vais t'expliquer en fait, pour mieux voir les distances et le relief, il faut que les deux yeux regardent genre vers là, convergent. Alors que toi en fait, tu diverges, et diverges, ça fait beaucoup. À étudier dans cette école. Tu sais, Voldemort. Oh, non, j'ai prononcé son nom. J'espère qu'il va rien m'arriver. Ça dépasse l'entendement. Merci, mon phénix. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Merci, Kion. Désolé, pas de vanne. Non, mais c'est que on s'habitue, hein. Attends, juste pour rigoler, on a combien du jeu, là? Merci, Viver Robocop. Vive Robocop. Pff, on est à 40% du jeu. C'est quand même l'ennui, hein. Ah, j'ai toujours pas trouvé comment faire pour monter sur ces plateformes. T'aurais pas une idée? Il paraît que tu sais qui a étudié dans cette école. Tu sais, Voldemort. Oh, non, j'ai prononcé son nom. J'espère qu'il va rien... Mince alors! C'est comme dans le livre, ça, hein. Ils sont tout aussi choqués. Ah, faut que je fasse le cours. Ah, mais du coup, c'est pas le vrai truc. Doublage VF à la con. Mais du coup, c'est où, professeur Quirrell? Oh putain! Allez, jeu PlayStation 1, l'âge d'or du jeu vidéo. Hein. Vraiment, souvenez-vous. Hein. Un drop dans la mare. Il vous le dira, lui. Souvenez-vous, hein, l'époque où le jeu vidéo avait une vraie valeur artistique et pécuniaire. C'était mieux quand les jeux valaient plus cher. Surtout des jeux comme ça, des bons jeux comme ça, c'était mieux hein, quand ils coûtaient 500 francs.
Il valait... Ça, c'est un jeu hein, qui il vaut son prix. Hein. 600 euros pour l'époque avec l'inflation. Hein. Franchement, c'est dommage qu'il coûte moins cher maintenant. Merci, Zombla. Bon, par contre, là, c'est pété, quoi. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fasse? En fait, ils se mettent là. Merci. Putain, mais c'est juste. Vas-y, dis-moi qu'il y a une autre salle qui fait la même chose ou une connerie dans le genre. N'empêche, c'est un très peu de temps de chargement. Ah bah tu l'as pas acheté à l'époque, vu qu'il date d'avant avant le passage à l'euro. Ça te dérange pas que je regarde le stream tout nu? Bah écoute, moi-même hein, je suis tout nu. Oh putain, faut le péter, faut le récupérer. Qu'est-ce qui se passe? Tu connais rien Benzaï? Plus c'est cher, plus c'est mieux. Sidebringer, merci beaucoup de t'être abonné. T'es gentil tout plein. En fait, faut attendre depuis cette plateforme-là. Mais quoi? Merci, si, 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 près. Ah, faut tout recommencer? Ne me dis pas ça. Oh, c'est putain de juste. Le cours de défense contre les forces du mal a déjà commencé. Désolé, mais je dois retirer 5 points à Gryffondor. Je m'en fous. Merci l'école des fous. Non, je ne sais pas. Approchez-vous. Je suis le professeur Quirrell, votre professeur de défense contre les forces. Philippe, fais un peu de feu, il fait froid. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très puissant, le Verdimilius. Merci, mais de rien. Alors, ce qui est marrant, hein, c'est que les cours ressemblent plus à des cours que dans le deuxième jeu sur GameCube. Excellent. Parfait. Merci, t'as mal aux yeux, tape dans tes mains. C'est difficile. Ok. C'était très bien. Excellent. Je ne peux pas regarder ailleurs que sur l'écran. Parfait. Merci Griffiths. Attention à celui-ci. Mais ça suffit. Pas terrible. Mais je t'emmerde. Merci Flatulence. C'était très bien. Mais là je me suis foiré exprès quoi. Pas terrible. Oh là là, il y a deux temps quoi. C'était très bien. Excellent. Parfait. Vous pouvez maintenant pénétrer dans la chambre. Pénétrer. Pour voir comment le sort de Verdimilius marche. Ça dit pas, merci Cachalot. Merci Cachalot. Harry, voyons voir comment vous résistez à la magie noire. D'abord, je vais vous lancer un Avada Kedavra. À vous de l'éviter. Vous remarquerez que le Verdimilius, lui, et repousse les ténèbres en éclairant un passage à travers elles. Engagez-vous rapidement sur ce chemin, car le sort ne persiste que pour un temps relativement bref. Et vous êtes... Bonne chance, jeune sorcier. Merci, j'ai plus de fric. Mais vous êtes complètement con. Impressionnant, 5 points. Merci Thunder. Mais arrête, mais ne pense pas du fric Thunder, c'est moi qui devrais t'en donner pour Je me casse hein. Allez hop, je retourne pas en classe moi, hein. Dissidence. Harry, ça fait des heures que je t'attends. Impossible. Impossible. Thunder nous a dit qu'aucun élève n'aura accès à l'étage interdit. Eh bien, je suis certaine que c'est. Merci le 18-25. Tu peux pas m'attendre depuis des heures, on était en cours de potion.
Bonne chance, Harry. Elle a disparu. Elle est morte. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ah mais attends, allons faire le défi de ouf. Putain, il est en mode genre I walk into the club. Qu'est-ce qu'il m'a dit Hermione déjà? Putain, j'ai des rémanences de solstice maintenant. Oh putain. Oh putain, le bon gameplay. Pardon? Verdimilius. Verdimilius. Mais ta mère? Mais c'est hyper chiant, en plus c'est pas par là. Rappelez-moi ce que je dois foutre avec de ce que m'a dit Hermione là, vous suivez ou pas? Un bon jeu comme ça, ce serait dommage de passer à côté d'un élément important. Oh là là! Merci Fortune. Il y a 4 sortilèges et chacun doit être contré avant que la porte ne s'ouvre. Les véritables sortilèges sont répartis dans le cachot. Dès que vous les trouvez, utilisez votre maléfice de repousse-tout pour les chasser. Quoi? Donc putain, mais c'est genre le truc dans... Ouch! C'est le truc dans... Dans Super Metroid, ça, il faut genre faire 3 boss, 4 boss et débloquer cette porte. Merci circonspect par ce live. Par contre, on peut appeler les professeurs peut-être pour enlever des sortilèges de magie noire, c'est si grave. Merde, je veux de la potion maintenant. Truc de chine potion avec la bouteille quoi. Alors on a un merveilleux, une merveilleuse démo avec tous nos amis de Harry Potter. C'est du très très beau travail. Bravo le veau, bravo le chat. Pour l'instant il n'y a aucun bug comme dans The Witcher 3. Qu'est-ce que c'est? Ah mais c'est le salopard qui fait des blagues là, il est dans le livre lui. Merci Slackmo. Sais-tu que tout le monde pense qu'on devrait t'exposer dans un zoo? Mais il m'attarde ma main dans ta gueule. Tellement que je parie que tu trouves pas un miroir qui va bien te refléter. Je crois que t'as pas le choix, mets-toi un sac sur la tête. Po po po. Merci, mais la fatigue va gagner. Ah ben ça, ça je ne vous le cache pas que ça va être très compliqué d'arriver à la fin. Hein. Même gosse, je le trouvais sans le jeu. Ça veut dire que t'avais des bons, ton cerveau n'était pas malade à l'époque. Mais si, c'est pet pive, l'esprit frappeur de merde là. Oh putain. Oh putain, je suis déjà saoulé par ces trucs. Merci, 100 viewers en trop sur ce live.
600 viewers Andro sur ce live. Eh oui, ils avaient 6 ans. Pardon? T'es allé quelque part? Oh là là, la caméra. Mon dieu. Mais où est-ce que je vais? Je m'amuse pas. C'est où qu'on s'amuse dans le jeu? C'est à part en appuyant sur le bouton off de la console, bien sûr. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Ah, la version PC est vraiment mieux que ça. Mais y a rien à faire. Si Flipendo marche pas, je suis à court d'options là. On aura compris que la version PC est plus sympa, les amis. Mais pourquoi y jouer dans ce cas-là? Ah, un Flipendo chargé. Est-ce que tu connais BC sur Xbox 1? Ça me dit rien. Ah voilà, nickel. Comme quoi. Ah putain, l'œil rouge. Oh, ça va me saouler. Ah non, non, mais s'il y en a 4 pareils là, c'est comme la blague. Le paysan qui va tester un 69, la meuf, il commence vite fait et la meuf, elle lui pète au nez. Et puis du coup, il se casse, il fait putain, s'il y en a 68 d'autres comme ça, moi je m'en vais. Là s'il y en a 3 autres, je m'amuse pas. Ah, Enter the Matrix, par contre ça c'est un bon jeu pour jouer en live. Mais la version PC est sûrement plus belle. En même temps, une pauvre PlayStation 1 ne peut pas rivaliser avec une GeForce 2. Mais c'est pas la version PS2 et... Respectez la PlayStation 2. Je ne sais pas où je vais, ça m'énerve. C'est agaçant. Ah, Egg Koopa. C'est la hype. Benzaï, ma chérie me manque. Va sur facu, FA2KU.com. Tu trouveras monts et merveilles. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah mais oui, tu me parles... Mais c'est un jeu annulé, oui d'accord, ok. Espèce de jeu survival... dans un monde préhistorique. Pure urine est mieux que facu. D'accord, très bien, bah, si vous le dites. Parce que bon, l'infrastructure de facu, elle est quand même solide, hein, par rapport à un GE Hentai. Bref, les enfants. Vous êtes bien entendu les bienvenus sur ce... J'ai gerbé. Ok, oui. Maintenant on descend ou quoi? Mais où sont les deux autres trucs? Là, c'est la fatigance, là. Mon cerveau... mis à rude épreuve.
D'accord, donc j'ai pas le droit de revenir en arrière. Bon, ben voilà, ben déjà ça règle un problème. Hein. Quoi? Oh putain. Oh là là, l'aspirine. Vite. Non mais après un jeu comme ça, pouvait pas sortir et promettre et nous apporter tout ce qu'on voulait. Donc forcément c'est bugué, hein, mais voilà, faut être réaliste. Hein. Les jeux c'est de plus en plus dur à programmer. Ils ont pas eu le temps de le patcher en 15 ans. Ce jeu a 14 ans, hein, précisément. Donc c'est vrai que ça fait mal aux derches. On vient de loin. Même si c'est surtout le gameplay hein, qui est juste dégueulasse quoi. Ah, et non Sundar, tu croyais que je me perdais, regarde, j'ai débloqué un nouveau truc. Mais ça c'est quoi? Haha, c'était le chat qui était perdu. J'avais fait exprès de dire que j'étais... Gestion des particules PlayStation 1, très très bien. Putain, ça glisse! Tu te sens en 13, Benzaï. Mais écoute, il est 4h du matin! Jojo blablabla. J'ai presque envie de me faire un don de 400 €. À moi-même pour arrêter le stream. Ce jeu a l'air moyennement bon. Toi, je te mets direct administrateur. Oh putain, faut revenir. Faut revenir à pied par la Chine. Ouh. Des heures de bonheur. Merci pour le pognon. Allez, speedrun, 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 speedrun. On va savoir ce qu'il y a derrière cette porte cachée. Mais alors, attends, mais comment on revient? Comme 15 sur 20 sur jeu.com. Bah oui, non, c'est un bon jeu, hein, c'est un bon jeu. C'est du bon, c'est tout du bon. Benzaï, comment tu expliques que quand on est célibataire, c'est la croix et la bannière pour trouver Yana, et quand on est en couple, toutes les filles orbitent autour de Troie? Eh bien, il existe un truc qui s'appelle la confiance en soi, et même au niveau des hormones, tu ne sécrètes pas la même chose. Et quand tu es plus confiant, eh bien, les femmes le sentent, vois-tu. Et il se trouve que quand tu es en mode petit sgeg, genre, vas-y, s'il te plaît, me rejette pas, eh bien, elles ressentent cette faiblesse. Et c'est cette faiblesse qui, eh bien, fait en sorte que tu es moins attirant, même si tu ne le comprends pas. Et tu es plus attirant quand tu as une plus grosse activité sexuelle plus régulière et que tu n'es pas toi-même en chien, tout simplement. J'ai oublié où j'allais, j'ai tout oublié là, je ne suis plus le même. Benzaï, ce n'est pas par là. Moi, je crois que si, hein. Non, c'est pas par là. Mais alors...
Là? Popolo popo. Il est pas stressé à rien. Ah mais oui, attends, je crois que c'est par là. Moins vite. Vous avez perdu. C'est du délire ou quoi? Ça était pas censé durer 2 heures max. Bon, on va arriver à 3 heures. Oh. Alors, par contre, ce saut est chiant à faire. Mais il faut monter sur cette table. C'est important. C'est pas par là. Vous êtes sûr? Oh si, mais attendez, là, c'est par là. Putain! Non, il n'y a pas une map et tout se ressemble. Oh. Tu dois revenir au niveau des chaudrons. Oh putain. Merci hein, pour le don encore. Mais Non mais par contre la caméra arrête de tourner. Oh, putain, c'est insupportable. Non. Au chaudron qui vole, tu descends. Alors attends. Les chaudrons qui volent, j'ai oublié où ils étaient, putain. C'était par là. On est passé par là tout à l'heure, en revenant. Là, il y a un chaudron en tout cas. Voilà, là, il y a deux chaudrons. Donc là, on descend. On descend, c'est ce que vous me dites. Hein. Gare à vos culs. Hein. Vas-y, sauvegarde. J'en peux plus. Non, si on arrive à 50%, ce sera très très bien. On arrêtera tout de suite après. Hein. Attends, tu fais O baba O X carré rond rond R1 R2, tu peux devenir Voldemort. Ouais mais dans comment? Attends, y a vraiment des cheats ou pas? Attends, sommaire du wiki. Non mais astuce wiki. Ok, solution complète. Game Boy Advance. Mais non, mais il y a pas de cheat. Oh mais cheater avec des vrais trucs. Mais non, mais il y a vraiment des jeux avec des cheats dans ce genre là quoi. Bravo Harry, vous avez contré les 4 sortilèges. Celui ou celle qui les a jetés tient vraiment à empêcher les élèves d'explorer le château. Oh non, regardez l'heure. Vous êtes restés. Ne soyez pas en retard. Le professeur, la classe de métamorphose se situe à l'étage interdit. Vous pouvez y accéder par la tour de Gryffondor. Mais sérieusement, attends, c'est juste un raccourci vers la tour de Gryffondor? C'est aussi pourri de la merde que ça? Quoi, les égouts, what? Tout ça pour aller là? Pourquoi quelqu'un avait besoin de poser 4 maléfices? Nick, quasi sans doublage.
Oh putain, et là, je vais à droite ou à gauche, j'ai oublié. Allons rejoindre le cours de McGonagall. Allez. C'était suffocant. Jeu PS1 en même temps. Alors si vous pensez qu'il n'y a pas de cheat sur le jeu PS1, je pense que vous ne connaissez pas grand chose de jeux vidéo. Qu'est-ce que tu fais un Halo Mora comme ça? Vas-y, t'as acheté l'école quoi. Attends. Elle est passée où cette conne? C'était là? Non, c'est Gryffondor. Ouais, dans la tour des Gryffondor. C'est le hall d'entrée. Quoi? Mais le hall d'entrée, c'est ça! Ah, c'est les décors sont un peu tristes. C'est pas très faux. Le hall d'entrée, d'accord. Mais oui, le hall d'entrée derrière le hall d'entrée, très bien. L'étage interdit. Oh, ben on a qu'à y aller. Mais elle est passée où, Hermione? Non, j'ai rien à foutre là. Merci, Dipperpin. Oh alors, attends. Hop, le petit troll du grappin interdit sur le stream. Va dans l'étage interdit, Benzaï. Ben oui, ben c'est évident. Mon cours de magie, il est forcément dans l'étage interdit, vois-tu. Suis-je bête? Alors je serai à Japan Expo pour les conventions. D'ailleurs, j'ai pas acheté mes billets d'avion comme un gros con. Il est 4h du matin, il faudrait peut-être être sérieux, qu'il faudrait peut-être que je travaille sur le prochain Hard Corner, sans qu'on va gueuler, comme quoi je fais pas de nouveau Hard Corner et que j'ai publié un bêtisier à la con. Alors que j'ai promis 2 Hard Corner ce mois-ci, avec le 3 ça va être compliqué, parce qu'il faudrait faire aussi une parodie de le 3. Écoutez, j'ai mal à la tête rien que de voir ce nouveau décor et des nouvelles pièces explorées, et ces cons qui vont encore me parler pour me... Oh putain, la gueule de merde. De l'étage interdit, hein. Oh, la phase de paix. Quand même attention à Ruzar et à sa chatte, Mistaigne. Mais peu importe. Nous, on te fait le mot de passe à... Fouf. 50 dragées surprise rouge. Tu sais, celle au goût de piment, piquante comme un hérisson. Benzaïe!